La meilleure manière de prévenir le cancer du sein, c'est d'apprendre à observer toi-même ton sein. En tant que femme, il faut apprendre à observer ton sein. On appelle ça l'auto-observation. Il faut apprendre à palper ton sein, à la recherche de boules. Voilà. Observer, c'est à la recherche de déformation. Voir est-ce qu'il y a une déformation au niveau du sein, est-ce que le sein a augmenté de taille, est-ce que le sein au niveau de la peau, il y a une modification de la peau, est-ce qu'il y a l'apparition de plaies, est-ce que, voilà, il y a du lait qui coule de manière anormale, ça c'est l'observation. Tu observes toi-même ton sein à travers un miroir que tu places devant toi. Et ensuite, tu palpes le sein. Palper, c'est toucher le sein de manière cadran par cadran, de haut. Le cadran haut, le bas, le droit, le gauche, tu palpes le sein, voilà. D'abord couché et ensuite debout, à la recherche de boules. Pour voir s'il y a une boule anormale que tu te rencontres dans le sein. Et l'autopalpation va te faire suspecter la présence de boules. Et une fois il y a présence de boules, le premier examen qu'on fait, c'est la mammographie. Voilà. Donc, la meilleure prévention, c'est l'autopalpation, l'auto-observation à la recherche de signes anormaux qui va nous amener à faire une mammographie très tôt. Parce que dès que la lésion est découverte rapidement, on peut prendre sa charge.